Bonjour Clément Sadger. Bonjour. Vous êtes donc candidat aux législatives partielles sur la troisième circonscription de Haute-Garonne. Absolument. Aux législatives 2012, vous aviez fait une cinquantaine de voix. Là, vous avez été sur les marchés de Balma, Fonsegrive, au Carme. Pensez que ça va changer la donne? Bah absolument, là, depuis 2012, il s'est passé beaucoup de choses. Moi, j'avais dit en 2012 que François Hollande me semblait un bien étrange adversaire de la finance. Et ça s'est bien confirmé, en fait. Il n'a pas séparé les banques. Il joue le jeu de la finance. Et on a maintenant Manuel Valls, là, qui est en train de faire des politiques d'austérité criminelles, comme on a eu en Grèce. Et depuis 2012, les gens peuvent bien voir que j'ai eu raison, en fait, dans ce que je disais. Et surtout que depuis 2012, on a, dans notre mouvement, rencontré beaucoup de nouvelles personnes qui ont décidé de rejoindre notre bataille. Donc, parce que voilà, il y a pas mal de gens qui en ont marre de ce qui se passe, beaucoup de citoyens qui sont désespérés. Ben, nous, on va militer, on va sur les marchés toute l'année, aux sorties des métros toute l'année. Et donc, il y a souvent des gens, il suffit de leur proposer quelque chose pour qu'ils agissent. Donc déjà, dans cette campagne, on a beaucoup plus de militants qu'en 2012. Et je pense qu'il y a aussi plus de gens qui vont pouvoir réagir et soutenir ma campagne. Et par rapport aux autres candidats, quelle est votre différence par rapport à cette question-là? Est-ce qu'ils abordent la question des banques? Bah déjà, non, en fait, ils n'abordent pas la question des banques, alors qu'au moment de la présidentielle, à part pour Harry Bagé, puisque l'UMP, Nicolas Sarkozy, était contre la séparation des banques, mais tous les autres avaient ça dans leur programme, mais maintenant, aucun n'en parle, en fait. C'est pas dans leur programme, ils n'en parlent jamais. C'est ce que nous avons fait à Toulouse en proposant un vœu au conseil municipal, qui a été refusé par Cohen et par Moudenc. Ils n'ont pas le courage de s'attaquer au monde de la finance. Donc ça, c'est une différence claire. Moi, j'ai ce courage, c'est pour ça qu'il faut me soutenir. Merci beaucoup. Merci.